Bienvenue à toutes et tous pour cette cérémonie un peu particulière des doctorats honoris causa 2021 de l'UCLouvain. Alors bienvenue à vous. On l'a décidé de maintenir bien sûr la cérémonie malgré les circonstances. Nous relevons à l'université aussi les défis malgré les circonstances, en distance bien sûr, néanmoins entouré par une série de nos docteurs honoris causa des années précédentes et en particulier avec Bertrand Picard qui va avoir l'occasion de nous adresser quelques mots que je vous invite à écouter. Quand j'ai eu l'honneur d'être nommé docteur honoris causa de l'Université de Louvain en 2008, j'avais dit que l'exploration au XXIe siècle ne consistait plus tellement à découvrir de nouveaux territoires qu'à promouvoir une meilleure qualité de vie pour l'être humain. Et pour ça, il y a des défis qui sont admirablement bien représentés par les nouveaux doctorants de cette année. Et ça me fait un immense plaisir. La protection de l'environnement, l'égalité des genres, la promotion de la santé publique, la recherche médicale, tout ça pour aboutir à une meilleure gouvernance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, quand on lit les nouvelles, on voit tellement d'intolérance, tellement de hargne, de haine, de violence, d'irrespect, d'égoïsme, de destruction de l'environnement, destruction de l'humanité, qu'on ne peut que soutenir cette volonté de l'Université de Louvain de mettre en avant des individus qui rassemblent, des individus qui amènent ces valeurs comme des phares qui illuminent l'humanité et qui nous invitent à suivre la direction pour les rejoindre. Je m'adresse bien évidemment avec toute mon amitié à Didier, à Laurence, à Peter, à Liv. Ce que vous faites est extraordinaire, vous montrez l'exemple et ce que j'espère avec une cérémonie comme celle-ci, c'est que beaucoup de personnes vous suivront, nous suivrons et montreront cette direction dans laquelle l'humanité devrait avancer pour avoir cette meilleure qualité de vie. Professeur Pittet, bienvenue à vous. Alors, de manière un peu virtuelle, bien sûr, à ces doctorats honoris causa, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui de manière virtuelle, mais ultérieurement, on aura le plaisir de vous accueillir en présence. Je vous présente déjà ceux que vous aurez l'occasion de rencontrer pour votre passage, votre parrain et marraine, le professeur Stéphane Vandenbroek, qui est professeur en psychologie de la santé, et Cécile Daz, ingénieure de recherche, qui a développé ces derniers mois un grand nombre de litres de gel hydroalcoolique en utilisant la formule de l'OMS, qui est précisément la formule que vous avez donnée généreusement et dont peuvent bénéficier aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde. Et donc, c'est aussi cette formule qui a été utilisée pour produire le gel hydroalcoolique ici à l'UCLouvain. Bonjour et merci pour cet accueil. Merci pour cet accueil virtuel qui n'est pas simple à réaliser. C'est un immense plaisir et surtout un immense honneur que de recevoir ce doctorat honoris causa de l'Université de Louvain, tellement prestigieuse. Je vois la liste des personnes qui ont reçu ce doctorat honoris causa et évidemment, j'en suis d'autant plus finalement redevable et généreusement, disons, avec vous. Je regrette de ne pas pouvoir être à Louvain aujourd'hui. J'entends que l'un de mes parrains, ma marraine en fait, a produit beaucoup de solutions hydroalcooliques. Tant mieux, j'espère que tout s'est bien passé. Finalement, c'est une des façons qui est peut-être d'être ensemble que de pouvoir savoir que dans toute une série de pays dans le monde, y compris dans les nôtres, cette solution peut être développée. Cette solution, elle est simplement là aujourd'hui, tant mieux qu'elle soit aidante, tant mieux qu'elle puisse participer à ce que chacun, chacune puisse retrouver peut-être dans ces prochains mois une vie de plus en plus normale. Mais avant tout, merci de me faire cet honneur de ce doctorat honoris causa et merci d'être ensemble aujourd'hui parce qu'au fond, c'est certainement comme cela qu'on célèbre le mieux en étant ensemble. Et puis je me réjouis des surprises que vous m'annoncez. Je n'ose même pas imaginer ce qu'elles seront. Alors, eh bien, justement, on va tout de suite y venir. La tradition, c'est d'avoir quelques témoignages. Alors, de nouveau, évidemment, de manière virtuelle et non pas en présence, mais je vous propose de tout de suite découvrir quelques témoignages de personnes qui vous connaissent parfois fort bien, et ce, en provenance d'horizons très différents.
j'ai connu Didier comme beaucoup de gens ici au moment de la pandémie, parce qu'il a été un peu la voix de la médecine. On s'est vite rendu compte que le principal écueil, c'était de toucher les adolescents qui, eux, participaient énormément à la propagation du virus. Et donc, il est allé chercher des youtubeurs, des comédiens, des dessinateurs, des gens qui sont plus proches de cette tranche-là. Il a réussi à mobiliser les gens par son discours, par sa bienveillance. Enfin, on avait l'impression qu'avec lui, on était dans une bonne cause. C'est une sorte de général sympa des opérations. Ouais. Quelqu'un de convaincu par sa discipline et par la cause qu'il défend, et parce que convaincu, extrêmement convaincant. Tout le monde peut compter sur lui. C'est ça qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'en fait, je crois qu'il est là pour tout le monde. Et il peut se donner corps et âme pour aider les gens. Il prend des vols, il dort dans l'avion, il arrive, il va visiter des hôpitaux. Le soir, il rentre à l'hôtel, il va bosser, faire ses mails. Il n'arrête jamais. Il dort un peu, trop peu je pense, mais c'est un incroyable bosseur. Il est infatigable. Infatigable. Et il prend sur lui. Et je me demande comment il a fait pour ne pas attraper le Covid. C'est extraordinaire, parce qu'avec tous les voyages, tous les gens qu'il voit, il est passé à travers. Donc je me dis aussi que son geste, parce qu'il le fait, alors il est hyper rigoureux là-dessus, c'est presque la démonstration que ça marche. Je me souviens, en Arabie Saoudite, on s'est retrouvés dans un hôpital et il y a une infirmière qui a commencé à montrer les gestes et à toute une tribu de médecins qui étaient là. Et quand je me suis retournée avec la caméra vers Didier, il avait les larmes aux yeux. Il était extrêmement ému et je pense que ça lui recharge ses batteries à chaque fois à 200%. C'est quelqu'un qui a un charisme particulier et puis qui est proche des gens dans sa manière de parler. On n'a pas l'impression que c'est un professeur qui nous prend de haut, et tout le monde a apprécié. D'ailleurs, il a été ultra sollicité dans les médias parce que tout à coup, c'était la voix qui était un petit peu rassurante, quoi. On a perdu l'habitude de savoir qu'il y avait une causalité entre une mauvaise hygiène des mains et la mort. Au début du XXe siècle, une personne sur deux mourait d'une maladie infectieuse. Il est totalement infatigable parce qu'il est convaincu qu'en répétant, au fur et à mesure, le message passe. C'est « adopt to adapt ». Je pense que la solution, elle est beaucoup là aussi. C'est-à-dire que chacun a pu prendre à son propre compte ses solutions hydroalcooliques et en faire quelque chose à sa propre échelle. Et cette liberté qu'il a donnée de créativité, je pense que la clé, elle est essentiellement là. Et donc, si on arrive à faire que les gens soient moins malades, on diminue mécaniquement le degré de violence dans les sociétés. Donc, en fait, il œuvre pour la paix. Et je pense que c'est un grand pacificateur. Comme il veut le bien de tout le monde, l'endroit où il serait le plus, à mon avis, à même d'agir avec toute son expérience, c'est à la tête de l'OMS. Cher Didier, tu étais mon général. Maintenant, tu es mon docteur honoris causa. Bravo. Alors, des témoignages extrêmement variés, mais enfin, qui concordent en tout cas en un point, qui ne s'arrête jamais, infatigable, qui court le monde, qui porte un message. Vous vous retrouvez un peu dans ces différents témoignages. Alors écoutez, d'abord vous dire que c'est une immense émotion. C'est une immense émotion d'entendre d'autres et surtout ces amis que vous avez choisis, que vous m'avez gardé en surprise, ces instants absolument uniques on a vécu les uns les autres d'une manière ou d'une autre à travers le monde. Donc c'est d'abord une très très forte émotion et merci, parce que c'est difficile de gérer cette émotion. Est-ce que je me retrouve dans ce qui a été dit? Oui, probablement, bien entendu. Le fait de beaucoup travailler, de toujours avoir envie de comprendre mieux, de visiter un hôpital, puis un autre, puis encore un autre, et puis encore... plus longtemps que prévu, d'avoir la chance d'être suivi parfois dans ces visites d'hôpitaux, et puis surtout d'être accueilli dans ces endroits comme j'ai eu la chance et j'ai toujours la chance de l'être. Voilà, rappelez simplement que quand on a la chance de faire un métier comme le nôtre, c'est d'abord parce qu'on aime l'humain, c'est d'abord parce qu'on aime l'autre et c'est d'abord parce qu'on veut aider l'autre, et au fond j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de cette situation-là, et c'est ce que ce film dit aussi, c'est ce que ces souvenirs disent aussi. Donc j'ai simplement envie de dire merci à ce stade.
Alors, on ne va pas vous lâcher sans avoir quelques questions supplémentaires, non seulement des témoignages, mais aussi des questions. Et c'est des sujets sur lesquels je vais laisser parrain et marraine s'exprimer. Alors, peut-être d'abord, professeur Van den Broek, première question. Professeur Pité, tout d'abord, je suis très fier et très heureux d'être votre parrain ici. Selon vous, est-ce que le modèle que vous avez développé peut aussi être appliqué à la population, dans la communauté, tout en sachant que selon les enquêtes qu'on a, entre autres aussi en Belgique, il y a presque 20% de la population qui n'adhère pas? Il faut du temps. Il faut du temps au changement. Alors vous dites que la population belge est observante finalement de manière un peu insuffisante, mais je tiens à vous rassurer, toutes les populations sont des fois même bien moins observantes que ce que vous dites pour la population belge. Donc, dans tout changement de comportement, il y a une difficulté. Et ce modèle multi-élémentaire que nous avons développé, il est justement fait pour essayer de transformer ce comportement humain. Donc oui, je pense que ce modèle peut être utile, qu'il doit être adapté et qu'il le sera bien entendu avec succès, mais évidemment avec le délai qui veut que le comportement humain est difficile à transformer. Un comportement humain difficile à transformer, effectivement, et ce à quoi tout de même le gel hydroalcoolique concourt très, très largement. Alors, Madame Daz, qui a par ailleurs produit du gel hydroalcoolique que nous avons utilisé ici aussi au sein de l'université, peut-être avez-vous également une question à adresser à notre futur docteur honoris causa? En dehors de la pandémie, ne faut-il pas maintenir l'utilisation de la solution hydroalcoolique au milieu médical et aux situations particulières? Et d'abord, bravo d'avoir produit la solution hydroalcoolique en Belgique. Écoutez, la beauté de la solution hydroalcoolique, c'est qu'effectivement, lorsque vous l'appliquez sur vos mains, j'en ai ici évidemment un petit flacon que j'ai toujours avec moi et dont on dit que je l'utilise beaucoup. Aussitôt que vous l'avez utilisé, eh bien, évidemment, l'alcool disparaît. Ça veut dire que non seulement les bactéries et les virus, les microbes sont tués, mais ensuite l'alcool n'est plus sur les mains. Donc, en plus de ça, il n'y a pas de résistance à l'alcool. Donc, ça fait toute une série d'éléments qui font que cette solution est absolument idéale dans la plupart des situations. Mais il est évident que l'hygiène des mains avec l'eau et le savon au domicile est parfaitement suffisante et qu'il faut continuer à promouvoir cette action d'hygiène des mains et que malheureusement l'accès au lavabo est parfois difficile et quand il est difficile à ce moment-là, on a cette solution hydroalcoolique qu'on peut utiliser. Alors, je pense que nous garderons peut-être ou certainement, et je l'espère d'ailleurs, certaines des bonnes habitudes que nous avons apprises durant cette période pandémique. Par exemple, dans l'entrée, dans les lieux publics, ce sera bien, mais vous avez raison, il faudra évidemment avoir des critères de sécurité qui soient établis. Je ne me fais pas du tout de soucis pour le microbiome, pour la flore des mains que nous avons tous sur nos mains, parce que l'alcool ne le modifie pas, au contraire de l'utilisation de l'eau et du savon. Et donc je pense qu'à long terme, ça n'est pas du tout un souci, au contraire probablement. Merci à vous et je vous propose maintenant de tout de suite découvrir une petite séquence supplémentaire qui est aussi une tradition à l'UC Louvain. C'est une petite surprise, alors ce n'est pas une surprise scientifique cette fois, mais c'est plutôt vocal. Vous allez découvrir quelques étudiants de la chorale universitaire qui vont nous interpréter un morceau qui, je pense, ne vous est pas complètement étranger. Je vous propose de les découvrir. No more than wave, cause hands can kill and they can save. You are the key, life's in your hands, so sing with me. You are the key, life's in your hands, so sing with me. Hands are such a simple thing, but our hands can change most everything. Keep care safe if ever chance. Please care for all, it's in your hands. Hands are such a simple thing, but our hands can change most everything. Keep care safe and take a stand. Clean care for all, it's in your hands. Safe, clean care saves lives.
Rubbing our hands helps us survive. Come and join the fight. Debunking care, it is your right. Come and join the fight. Debunking care, it is your right. Hands are such a simple thing, but our hands can change most everything. Keep care safe, give life a chance. Clean care for all, it's in your hands. Hands grant such a simple thing, but our hands can change most everything. Keep care safe and take a stand. Clean care for all, it's in your hands. All around the world, let's join our hands and let's be heard. Rub your hands for you, for those you love, and patients too. All around the world, let's join our hands and let's be heard. Hands are such a simple thing, but our hands can change most everything. Keep care safe, give life a chance. Clean care for all, it's in your hands. Hands are such a simple thing, but our hands can change most everything. Keep care safe and take a stand. Clean care for all, it's in your hands. It's in your hands. It's in your hands. It's in your hands. Voilà, alors je crois que cette chanson, on l'entend, hein, il y a les paroles dans les paroles, il y a évidemment l'hygiène des mains, mais je crois qu'elle elle a une dimension même supplémentaire et peut-être même, l'avez-vous vous-même chanté ou quel est le cadre de cette chanson? Oui, alors bon, c'est une grosse émotion à nouveau que cette chanson, et puis d'entendre ces étudiants de l'Université de Louvain, qui ont d'ailleurs des très belles voix, reprendre cette chanson, c'est très émouvant. Encore une fois, vous jouez beaucoup avec l'émotion, avec moi, et merci. Alors, cette chanson, nous l'avons créée dans le contexte de la Journée mondiale de l'hygiène des mains que nous organisons chaque année pour l'Organisation mondiale de la santé. Nous l'avons créée il y a quelques années avec les membres de mon équipe, après avoir créé, disons, les paroles qui étaient les slogans de campagne pour cette année-là de promotion de l'hygiène des mains destinée aux soignants du monde entier et puis qui ensuite a finalement décollé dans la communauté avec grand plaisir. Alors, pourquoi cette chanson est tellement émouvante pour moi? Non seulement parce qu'elle a été créée dans mon service, mais aussi que dans les personnes qui l'ont interprétée, il n'y a au fond qu'un seul chanteur, vrai chanteur professionnel. Et c'est mon fils cadet Virgile qui est chanteur et qui non seulement a été d'accord de chanter avec nous, mais a aussi dû m'enseigner le chant, et je n'ai interprété d'ailleurs qu'une partie des couplets, si vous repérez bien la chanson, je n'ai pas interprété toute la chanson, les parties difficiles sont chantées par lui-même, et c'est une belle émotion, évidemment, puisque quand on arrive à travailler comme ça, en équipe, ou voire en famille, pour moi la famille est très importante, et bien évidemment, ça laisse des souvenirs qui sont impérissables. Oui, mais donc on voit des talents familiaux multiples. Vous évoquiez la journée mondiale de l'hygiène des mains. C'est quel jour, la journée mondiale de l'hygiène des mains? Alors, la journée mondiale de l'hygiène des mains, c'est le 5 mai de chaque année. Et chaque 5 mai, nous célébrons l'hygiène des mains dans le monde entier, dans les hôpitaux du monde entier, avec des millions de personnes qui participent. Eh bien, on y veillera très spécifiquement à l'UC Louvain. Vous savez qu'il y a aussi des hôpitaux universitaires attachés à l'université. Nous y veillerons très, très spécifiquement le 5 mai. C'est bien enregistré. Ça fera un rendez-vous régulier, annuel, avec vous et avec ce qui a été apporté au monde entier. Je vais vous laisser peut-être quelques mots. On se retrouvera tout à l'heure pour la remise de l'épitoche, mais avec l'ensemble des autres docteurs honoris causa de cette année. Mais je vais peut-être vous laisser quelques mots pour conclure cette séance de ce que ceci vous a apporté, ce que vous avez vu dans cette distinction qui vous est remise aujourd'hui. Écoutez, je commencerai par vous dire merci, parce que, je veux dire, cette reconnaissance, finalement, est une reconnaissance d'une université prestigieuse et qui finalement vous honore, mais qui vous honore pour évidemment ce que vous avez fait. Donc merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on honore? Finalement, c'est une personne qui reçoit un honoris causa,
Mais en fait, c'est au fond l'ensemble d'une, probablement d'une carrière ou d'une partie de vie pendant laquelle vous êtes avant tout une personne au sein d'une équipe. Et cette gratification, elle est au fond à tous ceux qui sont autour de vous à telle ou telle période de votre vie. Alors, je pense tout d'abord à mes parents, et j'ai une pensée émue pour mes parents en ce moment, à ma famille, bien entendu, et puis à l'université, à ceux qui m'ont permis de choisir ce métier magnifique. Et je m'adresserai en un mot aux étudiants pour leur dire, croyez en vous, croyez en ce que vous pouvez apprendre, croyez au travail en équipe, pensez à ce que finalement, lorsqu'on travaille en équipe avec toute cette intelligence collective, on travaille mieux, on travaille plus fort, on va beaucoup plus loin. Et au fond, c'est ça qu'on apprend lorsqu'on a la chance de faire des études dans une université, en particulier dans une belle université. Et donc, je crois que c'est ça qui est important. Ça n'est pas tellement de savoir si on aura ou non une reconnaissance telle qu'un doctorat honoris causa. Finalement, chacun, chacune fait ce qu'il peut dans son domaine. Parfois, c'est remarqué, parfois, ça l'est moins. Il y a des domaines qui sont faciles à finalement promouvoir, d'autres le sont moins, peu importe. Là n'est pas la question. Il faut bien entendu du travail, le travail c'est nécessaire, mais il faut de la chance, il faut un entourage, il faut des mentors. Les mentors sont tellement importants dans une carrière et dans une vie pour finalement probablement arriver à accomplir quelque chose. Alors on accomplit tous quelque chose. Personnellement, j'ai la chance d'avoir finalement diffusé une stratégie qui sauve des millions de vies chaque année dans le monde. C'est une chance, c'est un privilège et ce sera aussi une mission. Et je terminerai en disant que ce sera une mission que j'accomplirai d'autant plus facilement encore après avoir été honoré de cet honneur de l'Université de Louvain. Voilà. Et merci à tous. On se retrouve tout à l'heure avec les trois autres docteurs honoris causa. Grand merci pour votre témoignage. Madame Tubiana, on est très heureux de vous accueillir à l'UCLouvain Louvain dans un contexte un peu particulier et de vaincre avec vous les distances. Alors, de les vaincre avec vous, mais aussi avec vos marraines et parrains, avec Agathe, qui est chercheuse en sciences politiques, et puis avec François, qui est étudiant en bio-ingénieur. C'est un contexte un peu particulier dans lequel vous-même vous avez été plongé pendant tous ces mois. Comment est-ce que ça a été vécu et comment est-ce que vous vivez aussi cette cérémonie un peu particulière ? Ben d'abord, je suis émue quand même et très honorée de recevoir cet accueil et cette distinction dans d'une université que j'aime beaucoup, dont je connais beaucoup de travaux en philosophie, en sciences politiques, en économie, dans tous les domaines qui sont les miens. Donc je suis très très heureuse. Je regrette évidemment de ne pas être avec vous, de ne pas voir les étudiants, mais j'espère que ça n'est que partie remise. Donc là je garde mon émotion et j'essaierai de la transmettre à travers cette très ingénieuse cérémonie que vous avez construite. Très bien, c'est promis, ce n'est que partie remise et d'ailleurs effectivement les étudiants et la communauté universitaire sera très heureuse de vous accueillir prochainement. Alors, on a quelques témoignages avant de passer à des questions de parrain marraine, mais on va d'abord écouter les témoignages. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Et pour moi, l'accord de Paris est tout à fait emblématique de la manière dont Laurence a pensé à la fois l'efficacité environnementale, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on arrive à rester dans les limites de la planète, et la réelle politique. C'est-à-dire comment est-ce que, néanmoins, on doit faire avec le fait que les grands pays de la planète n'ont pas un gouvernement qui décide ensemble et il faut trouver des formes d'arrangement tout à fait particulières pour que ceux qui ont le pouvoir et ceux qui sont les plus faibles arrivent à cohabiter dans une forme de gouvernance de cette planète. Et cette diplomatie nouvelle qui fait appel aux populations, qui demande à la fois le soutien des scientifiques, le soutien de l'opinion publique, le soutien des États, le soutien des entreprises, le soutien des régions, le soutien des universités, c'est une forme nouvelle de diplomatie que Laurence Tubiana a contribué à faire réussir et qui peut être utile pour d'autres grands sujets de demain.
Mais je pense que Laurence Toubiana essaye vraiment de créer ce pont entre les citoyens et le politique. Donc, c'est grâce à des femmes comme elle, et j'essaie de la suivre sur, ce, sur cette route, de se dire qu'on va devoir lier ces deux mondes pour y arriver. Et c'est là que rentre encore en compte la démocratie participative, pour que le citoyen puisse s'exprimer, pour que le citoyen puisse amener des idées, puisse faire partie des décisions, etc. La manière dont Laurence pense l'action politique, c'est qu'on est tous aujourd'hui, quoi qu'on fasse, où qu'on soit, partie prenante d'une action politique ou d'une inaction politique. Et donc, la révéler, l'assumer et se donner les moyens de la mettre dans la bonne direction, c'est ça que Laurence nous inspire. C'est une femme de gauche qui, depuis qu'elle était toute petite, a un certain idéal de justice sociale et en même temps, les pieds sur terre. Et donc, elle s'est intéressée au développement, au plan général. Et petit à petit, ça l'a amené à travailler sur l'environnement et sur le climat. Il faut sans cesse avoir à l'esprit à la fois les conséquences des dérèglements climatiques sur les régions, sur les populations, et comment on peut accompagner la lutte contre le dérèglement climatique auprès de ces populations. Et je pense que c'est un des aspects qui rend Laurence Toubiana très sensible à ces questions. Ensuite, Laurence, c'est aussi quelqu'un dont tout le monde a apprécié avant la COP21 son talent de diplomate. Et son talent de diplomate en particulier parce qu'elle a réussi à faire que la présidence de cette COP21, exercée évidemment par le ministre Fabius, mais avec les impulsions de Laurence, soit une présidence à l'écoute. Et Laurence, depuis le début, a dit « on n'y arrivera pas et ça ne sera pas juste ». Ça sera à la fois pas possible et pas juste si on n'a pas un accord de Paris qui permet de mettre tous les pays de la planète autour de la table. Et cet engagement à écouter tout le monde et à mettre tout le monde autour de la table, c'est pour moi ce qui porte Laurence, c'est-à-dire trouver une solution juste à un problème environnemental qui est inévitable. Donc oui, je pense que grâce à elle, on a une très bonne base sur laquelle on va pouvoir se battre et sur laquelle on se bat déjà aujourd'hui. Mais évidemment, on va devoir se battre beaucoup car il n'y avait pas assez de Laurence Toubiana dans le monde pour réduire encore notre réchauffement planétaire. Voilà, quelques témoignages. Une diplomatie nouvelle, à l'écoute, mais les pieds sur terre, c'est quelque chose qui vous caractérise. C'est ça que vous retrouvez dans les témoignages que vous avez entendus? Oui, tout à fait. Et la nécessité de passer d'un milieu à l'autre, de ne pas être diplomate seulement au Quai d'Orsay, mais de pouvoir travailler dans le milieu non gouvernemental et de se reposer aussi sur la réflexion scientifique et universitaire. Il faut des concepts pour analyser une situation et proposer des solutions. Il faut en même temps comprendre l'éventail de toutes les positions. Et il faut en même temps comprendre qu'effectivement, dans ce domaine de la lutte contre le changement climatique, comme dans bien d'autres domaines des problèmes globaux qui sont l'objet de ce défi à relever de cette cérémonie, eh bien, il faut que la société bouge. Et on ne peut pas faire bouger la société si on ne sait pas où sont les gens, si on ne sait pas où sont les citoyens, et s'ils ne pensent pas qu'ils sont des acteurs et pas seulement des spectateurs passifs, ou même des gens qui simplement vont voter de temps en temps. Donc pour moi, c'est ça, la diplomatie à 360 degrés. J'ai essayé de la conceptualiser, mais j'ai essayé aussi, évidemment, c'est ce qui est encore de plus amusant, évidemment, et de plus intéressant, de la mettre en pratique. Alors justement, diplomatie, voilà, une chercheuse en sciences politiques, Agathe, peut-être votre question? Oui, merci. On se demandait, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont travaillé avec vous, qui ont pointé votre finesse politique et votre sens de la diplomatie. Alors, on se demandait un peu comment vous avez développé cette capacité. Est-ce que c'est quelque chose qui était inné chez vous ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé pendant vos années à l'université ou ailleurs? Je pense qu'il y a évidemment des questions de personnalité. Je suis quelqu'un qui aime bien donner de l'énergie, mobiliser des personnes, des gens autour de moi, construire des équipes, ça fait partie de moi. Je ne suis pas quelqu'un qui pense toute seule. J'aime partager, générer et recevoir. Donc ça, je pense que c'est une question de personnalité et ça compte évidemment. Après, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, c'est très important de comprendre le problème. Et c'est pour ça que je pense que la diplomatie, elle a vraiment besoin de science, au sens le plus large, y compris évidemment des sciences sociales. Elle a besoin elle a besoin de la raison. Parce qu'il faut présenter des éléments rationnels à tous les
à tous les acteurs auxquels vous parlez. Il faut qu'ils comprennent que, au fond, leurs intérêts, qui peut-être à court terme vont contre la lutte que vous leur proposez, l'accord que vous leur proposez, qu'en fait leurs intérêts vont dans ce sens et qu'ils ne le perçoivent pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas nécessairement utilisé la connaissance disponible. Et donc il y a un appel à la raison et donc à la science, et je crois profondément que c'est cette interaction entre le domaine scientifique, les connaissances, qui permettent de déplacer les positions, déplacer la représentation des intérêts dont on sait qu'un peu c'est la base de la coopération internationale. Et puis il y a une deuxième, troisième dimension un peu liée à la première, une question de personnalité. Il faut construire de la confiance. Et vous savez, la confiance, ça joue à la fois sur la raison, bien sûr, puisque heureusement, tout de même, les uns et les autres, que ce soit les diplomates, les ministres, les acteurs économiques ou les maires des grandes villes avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, il y a aussi la confiance qu'on ne va pas les tromper, que là où on les emmène, ça n'est pas quelque chose d'obscur, c'est quelque chose de transparent qu'ils peuvent anticiper, qu'ils peuvent comprendre. Et il y a un aspect d'émotion, parce qu'il faut qu'on crée de la confiance, il faut que l'on pense que même, vous savez, la diplomatie, c'est quand même d'essayer de pousser les uns et les autres dans une situation d'incertitude. On ne sait jamais exactement, enfin surtout vis-à-vis de problèmes aussi grands que le changement climatique. Et donc, dans cette situation d'incertitude, c'est impératif créer de la confiance. Et cette confiance, elle est liée évidemment au fait que, de façon répétée, vous montrez que vous êtes transparent, vous ne cachez pas vos intentions, vous les dites, y compris votre ambition d'ailleurs, c'est pas seulement trouver un point moyen, c'est pas du tout ma conception de la diplomatie, c'est vraiment d'afficher l'objectif que l'on cherche, y compris s'il est plus ambitieux que ceux à quoi sont prêts ceux à qui vous parlez, et ensuite de montrer que vous êtes émotionnellement complètement avec eux, que vous comprenez leurs problèmes et que c'est cette solution de chemin que vous allez élaborer avec eux et pas contre eux. En tout cas, c'est ma manière très empirique avec laquelle j'ai conçu cette diplomatie. Oui, on a vu que les différents intervenants dans la vidéo parle de l'importance de se réunir tous autour de la même table. Et justement, dans ce cadre, comment faire pour que tous les États et tous les citoyens trouvent des accords ambitieux sans faire trop de compromis? Est-ce que, justement, la démocratie participative, comme la Convention citoyenne pour le climat en France, dont vous avez été coprésidente, est justement une solution, et qu'est-ce que vous avez pensé de cette Convention citoyenne ? Merci de cette question. Pour moi, la Convention citoyenne, ce n'est pas très différent de la démarche de l'accord de Paris, en fait. Ça paraît peut-être un peu bizarre, mais ces diplomates très, très entraînés avec qui j'ai travaillé, ces ministres, au fond, il faut appeler à leur conscience de citoyen pour réussir l'accord de Paris, au-delà de ce qu'ils représentent ou de leur mandat. Et au fond, peut-être l'intérêt de la démocratie délibérative ou participative, il y a plein de façons. Pour moi, ça a été un moment de se dire, bon, d'abord parce que je pense que cette lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire d'avoir des sociétés qui vont vers zéro carbone comme émission, qui aussi comprennent un rapport apaisé avec la nature, leur cohabitation que nous devons avoir avec les autres espèces. Il faut pour cela qu'il y a à la fois que la société se transforme profondément. À l'évidence, évidemment, nos modes de consommation et de production tels qu'ils sont nous emmènent dans une impasse. Donc il faut que, pour que la société bouge dans ce sens, c'est un grand changement, il faut dessiner une trajectoire, un chemin. Et ce chemin, il faut forcément qu'il parte de, encore une fois, là où sont les différents acteurs. Et qu'en même temps, ce n'est pas un objectif qui tombe du ciel, qui est imposé. Regardez toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui et la sensibilité des mesures de lutte contre la diffusion de cette pandémie. Il faut bien que les citoyens soient en situation d'acteur et de responsabilité pour qu'ils envisagent le changement et qu'ils le mettent en œuvre. Et la vertu de la démocratie participative ou délibérative, c'est effectivement de changer, de faire vraiment, de donner ce qu'on appelle en anglais le agency, la capacité, l'intention d'agir,
le fait que les citoyens soient des acteurs et non pas les, je dirais, les enfants passifs qu'on discipline ou qu'on contraint. Ça ne donne jamais rien, surtout heureusement dans nos démocraties. Ça n'est pas par la contrainte, c'est par l'information, la connaissance et surtout la prise de responsabilité. Et pour moi, ça a été une expérience formidable. Vous savez, je me suis engagée dans la Convention citoyenne pour le climat parce que trop souvent, me semblait-il, les responsables politiques pensaient que la société était contre les mesures de lutte contre le changement climatique, contre la protection de l'environnement, en général bien sûr, mais au moment d'agir. Et cette convention a démontré que, d'une part, les citoyens sont prêts à se saisir de la chose publique, au sens le plus noble du terme, et qu'ensuite, ils ne sont pas ces citoyens qui refusent de changer. Une fois les informations données, une fois la réflexion engagée, ils sont prêts à faire des changements, et qu'on le voit aujourd'hui dans la discussion entre le gouvernement français et ses citoyens, au fond prêts à aller beaucoup plus loin. Et on l'a vu dans beaucoup de ces processus en Irlande, en Allemagne ou ailleurs, la démocratie participative permet de comprendre où en est la société, de donner les moyens à cette société d'envisager le changement et de le dessiner. Et je crois que les responsables politiques seraient vraiment avisés de les suivre et de ne pas faire d'hypothèses sur ce que les citoyens ont dans la tête. Merci, donc ne pas faire d'hypothèses sur ce que les citoyens ont dans la tête. On va voir un moment musical maintenant par des étudiants du Capodastre, un petit moment musical qui, je crois, peut évoquer quelque chose en particulier du moment de la COP21. Gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien, au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer, des flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les événements se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Années, on aura bouffé la feuille, et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux et tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu le raconteras à l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, ça c'est rien de le dire. Je veux que tu respires, il faut que tu respires. Voilà, je crois que c'était un des morceaux de la playlist de la COP21. Absolument. Mais nous parlons justement des étudiants. Nous espérons pouvoir vous accueillir en présence physique dans les mois à venir. Mais peut-être qu'aujourd'hui déjà, vous avez des centaines, des milliers d'étudiants qui vont entendre votre intervention. Est-ce que s'il y avait un message à leur porter aujourd'hui, que leur diriez-vous par voie de vidéo interposée ? D'abord parce que les choses ne sont pas seulement dans leurs mains, c'est dans nos mains aussi. On ne peut pas leur
faire reposer tout sur leurs épaules, mais en même temps, ce sont eux, aujourd'hui, qui nous poussent. Et sans le mouvement de la jeunesse, pour le changement climatique, comme pour beaucoup de problèmes mondiaux, nous ne ferions rien. Et donc, ce que je veux vraiment leur dire, c'est que c'est eux qui, en protestant, en défilant dans la rue, en nous interpellant, en nous critiquant, c'est vous qui faites bouger les choses. Et n'arrêtez pas. Surtout n'arrêtez pas, parce que c'est comme cela qu'effectivement, comme le dit cette chanson, les parents, les grands-parents ne peuvent pas continuer à agir comme s'ils ne savaient pas. Et c'est vous qui le leur rappelez tous les jours. Donc vraiment, à la fois engagez-vous dans votre travail, dans ce que vous ferez, dans vos études, dans vos réflexions, dans votre action, mais aussi maintenez la pression, on en a fondamentalement besoin. C'est ce miroir que vous tendez aux responsables politiques, à toutes les générations, qui fait que ces générations, je crois, commencent à avoir du mal à se regarder dans la glace sans rien faire. Et au fond, de rebondir sur ce que disait Einstein, au fond, les vrais coupables, c'est ceux qui n'ont rien fait. Donc, allez-y. Merci beaucoup, Madame Tubiana. On se retrouve dans un instant avec les trois autres docteurs honoris causa de cette cérémonie pour la remise de l'épitoge et la cérémonie officielle. So thank you very much for being here, Liv Strömquist. We're very honored to have you as a doctorate honoris causa for the university. Let me very briefly introduce you to your promoter. We have our students, Camille Lebrun, and Professor De Gave, who will have the opportunity to ask a few questions. But before that, we'll have a testimony of some people who know you better than we do. And perhaps also a first impression on your side. I know it was your birthday yesterday, I believe. And so perhaps to reflect on what you've achieved so far and how sense it makes to have a doctorate honoris causa from the University of Louvain. Well, I'm just very, very honored, of course, to receive this doctorate. I'm very happy. Yes, it's very weird times. I would love to come to Louvain and be with you in person and see the university. But I'm very, very happy that to get this. Thank you. Okay, so we are of course very much looking forward to receive you here in person. In particular, given that since we've warned that the doctorate honoris causa will be awarded, there's been many people around us have read your books more than they had before, and so they'll be very happy to meet you. Okay, so let's look at some of the testimony then. Nous avons créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque en tout genre. Liv Strömquist a tout à fait sa raison d'être dans notre bibliothèque, puisque justement la condition de la femme, les discriminations de genre sont un des fers de lance de notre bibliothèque. Alors, ce qui est incroyable dans ces bandes dessinées, c'est que c'est vraiment, il y a un propos qui est très, très sérieux, une recherche scientifique, toutes les choses sont avérées. On sent qu'il y a une culture, une recherche, mais on sent aussi qu'il y a vraiment une envie de partager son point de vue. Il y a une espèce de bon sens, elle arrive à mettre des mots sur des choses qu'on vit en fait au quotidien, nous en tant que femmes. Oui, pas de doute, on est dans des documentaires, mais justement sa force, c'est de le faire passer sous forme de bande dessinée. Je pense que la bande dessinée est un excellent cheval de Troie pour raconter des choses politiques, parce qu'on a l'impression de voir des petits Mickey, et en fait on est tabassé de concepts qui nous changent la vie et qui nous fracassent un peu le cerveau. On n'en sort pas vraiment indemne. En fait, on vacille un peu sur nos bases et beaucoup de choses qu'on croyait acquises ou naturelles, évidentes, se montrent telles qu'elles sont, c'est-à-dire accessoires ou construites. Je pense qu'il y a eu un avant et un après la lecture de Les sentiments du prince Charles de Liv Strömquist. C'est ce qui a fait badaboum, quoi. Cette bande dessinée, elle fait le même effet à toutes les personnes à qui je l'offre. Elle déconstruit des choses qui nous apparaissent comme normales, parce que ça fait partie des meubles, parce qu'on passe devant elles sans même les remarquer. On ne se rend pas compte que nos relations humaines, sentimentales, sexuelles sont si construites, sont si culturellement normées, qu'elles relèvent de beaucoup de choses de l'ordre de l'obligation.
On est avec les sentiments du prince Charles sur l'historicité de l'amour, le patriarcat, la domination masculine à travers le temps. C'est une boîte à outils conceptuelle assez unique au monde, en fait. Elle nous raconte des choses assez pointues, qui passeraient difficilement sous une autre forme, mais avec tellement d'humour, de pédagogie et de clarté que si on a envie de convertir quelqu'un à l'égalité des genres, c'est très facile de le faire à travers une bande dessinée de Liv Strömquist. Un bibliothécaire, il y a quelques années, quand j'avais créé cette bibliothèque en tout genre, j'avais dit, mais enfin, c'est un vieux combat de 1968. Et je me suis dit, mais oui, mais qu'est-ce qui a changé? À partir du moment où on prend des positions, c'est du militantisme, c'est-à-dire c'est inviter à la réflexion. C'est la présence même de ce corps féminin qui doit être entendu, cette voix. Ce n'est pas seulement un devoir ou un engagement politique, c'est de l'espoir, vraiment, d'union entre les hommes et les femmes et d'avancer ensemble, non pas avec des hiérarchies, des institutions masculines, féminines ou je te rabaisse, je suis derrière, non. Maintenant, il s'agit de fusionner en tant qu'humains. Ce n'est pas un constat qui sert uniquement à libérer les femmes, je pense que ça sert à libérer tout le monde. Et continuons en tant que femmes artistes avec cette même force. Wow, I'm very moved. Oh, this was very, yes, wow. Camille Lebrun voulait peut-être vous adresser à Liv Strömquist. What could you say about the sociological aspects of your profession? Did you get support of other women? Do you think your books have helped to open your profession to other women? Well, I think that the comic world traditionally is a very masculine world, and they're like the most famous and successful artists in the comic world are male. I don't know why it's been like that it's been more men than women who have made comics in the past. Maybe it's because it's great fun to make comics, and I think that all like inventions in history that are great fun to do often become like a male thing, like driving a car or you know, things like that. So, but now suddenly, eventually, we see a lot of women cartoonists, and I had very few, but some role models when I started to make comics. Some female comic artist role models that were very important to me. And I can also see that there is some a generation after me that can be inspired by my work. So I can really see that it's moving in the right direction. Yeah. So Liv, you have written 5 books so far that were translated into French. And can you tell us the story behind the one that you think is perhaps the most emblematic as of what you try to achieve as an artist, and how do you work on it, and in particular, how do you bring together imagination and scientific language? Is there any technique behind that? If I should pick one significant book, I guess it would have to be the one that in French is called L'Origine du Monde, that is a kind of a cultural history of the female sexual organ. I think that's the book that has been most translated and read. But it's in a way it's a typical book for me, because the book revolves around one subject, in this case the female sexual organ, and I'm very interested in the society and how we together as a humanity, like how we construct feelings and ideas around different topics. When I start with a book, I think that I
work quite similar to how a student writes an essay or a journalist is writing a piece or a documentary film or is working, which is that I start to make a lot of research. I start to Google. When I made L'Origine du Monde, I had a very bad Google historic. I was only Googling words like female vagina and things like that. So I had like, I tried to find all the relevant research in the area, and then I start reading a lot. And as soon as I find something interesting, I usually put that book or I underline the things that I'm really interested in. And I work very intuitively, so I work a lot with, like, if I feel like, wow, this is so interesting, like I have to tell someone else about this, that's the feeling that I'm after. Like I don't want to write about something that is like you know, like something that everyone already knows about. So it has to be something that really moves me, like helps me or comforts me or things like that. So I work a lot with intuition, and I work quite fast. So I just follow like a kind of a gut feeling, I would say, when I gather all my information, and then I start writing. And when I'm done with the script, I start drawing. And I also draw the writing of the script. It's the what takes the most time, and then I draw quite quickly. Yeah. We then have a little surprise, a surprise that goes back to 1975, a musical surprise, which probably you will recognize. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai marcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai noyé de mes prières les barreaux de vos prisons. Voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de rêve ou de ruisseau, et c'est mon cœur. Ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Wow, that's beautiful. So this was interpreted by staff members of the university, especially for this occasion. Perhaps as a conclusion, it would be helpful if you could address our students, and there'll be many looking at this video, including my own children,
to address the thousands of students we have, and what message you'd like to carry to them, and what do you want to leave behind after this doctorate honoris causa? Well, I would just like to give my greetings to all the students and everyone who is watching this, and I think that what will liberate us all, I think, is knowledge and education, and to constantly keep educating yourself and conversating with other people, and try to deepen your understanding constantly about yourself and about others and about the world. And I think that's the way forward for humanity. Thank you. Okay, thank you very much. We're really looking forward to meeting you here at UC Louvain in the near future. Thank you very much. Thank you. Professeur Peter Piot, on est très honoré de vous recevoir ici virtuellement pour le moment, bien sûr, de Louvain à Londres, de Londres à Louvain, en attendant de pouvoir vous recevoir physiquement, puisque c'est planifié pour une date ultérieure, le plaisir de vous rencontrer en chair et en os. Néanmoins, merci pour votre présence à distance. L'occasion pour moi de vous présenter aussi vos parrains et marraines, comme il est de tradition à l'UC Louvain. Alors, votre marraine qui effectue une thèse en sciences de la santé, donc la future docteur Maria Rodriguez, et puis le professeur Jean-Cyr Yongbi, également chef de clinique aux cliniques universitaires Saint-Luc, qui est spécialiste en épidémiologie et en maladies infectieuses. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir ici, et avant d'avoir un dialogue, un échange avec les parrains marraines, peut-être heureux de vous entendre sur ce thème des défis sociétaux qui nous amènent ensemble ici aujourd'hui. Grand bonjour à tout le monde et merci, monsieur le recteur. Je suis très honoré par ce doctorat honoris causa, aussi venant de mon pays natal, où je n'ai plus habité depuis 92. Mais c'est surtout le thème qui m'a attiré. Et on ne peut pas s'imaginer un monde sans défis. Et ce serait en fait pas seulement pas honnête de ne pas voir les défis, mais aussi la vie serait assez morose et monotone. Et donc pour moi, je crois que les défis ont toujours existé. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est confronté à des défis vraiment existentiels qui mettent en cause notre avenir comme espèce. Par exemple, le défi de la planète avec le réchauffement climatique. Et les défis sur lesquels moi j'ai travaillé, c'est surtout des défis de maladies infectieuses et d'épidémies. Et on en est en plein dedans. Et il y a même une synergie entre la destruction de la planète, le chauffement de la planète et les épidémies. Et on entre vraiment dans une ère d'épidémie. Et donc, je suis très heureux de pouvoir contribuer à ça. Et je suis très content de voir que l'université, UCL Louvain, a eu ça comme thème, parce que c'est aussi la place des universités pour... pour confronter et pour résoudre les défis par le savoir, l'innovation, mais aussi l'engagement social. Donc un tout grand merci, et je suis très heureux d'avoir une marraine et un parrain qui ont déjà beaucoup contribué à relever les défis en maladies infectieuses. Alors, ils ne vont pas vous laisser partir comme ça, hein, ils vont vous poser quelques questions. Mais avant cela, je vous propose de regarder quelques témoignages de personnes qui souvent vous connaissent fort bien, pour décrire aussi votre parcours. On regarde ça maintenant. Quand on voit la carrière scientifique de Peter Piot a été, c'est énormément de contributions utiles pour la société. Et puis, c'est le parti debout, que j'appelle debout, c'est la capacité qu'il a, et qu'il a toujours, de porter
ces connaissances-là dans la société, porter des combats sociétaux aussi pour défendre les personnes les plus affectées par les maladies et comme on sait, dans le cadre des maladies infectieuses, c'est souvent les personnes les plus pauvres. Peter a toujours réagi devant la souffrance des gens. Pour lui, travailler comme microbiologiste, c'était déjà s'engager dans une lutte. C'est un non-conformiste, une personne qui s'engage, qui ne se contente pas d'examiner le virus dans son laboratoire, mais qui sort, qui va dans le monde et qui veut agir sur le monde. Avance et ne te laisse pas détracter par des forces qui sont contre-productives. Hein? Continue, cherche ce qui peut vous faire avancer et travaille dur. Et je pense que même aujourd'hui, c'est ça encore son style. Peut-être la chose qu'on retiendra en santé mondiale, en santé publique, c'est l'accent que Peter Piot a mis sur la défense des droits humains, la lutte contre la stigmatisation, les législations pour protéger les populations les plus vulnérables, les populations à risque. Le sida était l'exemple ou la maladie où on devait être activiste. Cette maladie nous poussait à réfléchir au-delà du germe, du virus et du diagnostic ou de la maladie. C'était vraiment les aspects sociétals. Et là, je pense que Peter était quelqu'un qui gérait ça, qui voyait ça, qui gérait ça et qui était un très bon communicateur avec les différents partenaires. Je crois que ce qui a permis à Peter Piot de mobiliser autant d'énergie et de fonds dans des luttes contre les épidémies, c'est sa capacité à avoir un problème médical au-delà de l'aspect scientifique, l'aspect sociétal, la capacité de se mettre en réseau entre les disciplines scientifiques, mais aussi avec les autres disciplines qui sont non scientifiques, les disciplines de la politique, les disciplines de la communication, de la mobilisation des fonds. Tout ça, c'est un ensemble. Alors, si j'avais un mot à te dire, Peter, je te dirais continue. Continue à avancer, continue dans la lutte contre les inégalités, contre les grandes pandémies, tu peux faire une différence. Il n'y a pas de fatalité aux inégalités et aux tragédies provoquées par les pandémies. On vient de le voir dans ces extraits, dans ces témoignages, c'est de la science et du laboratoire jusqu'à l'engagement. C'est un peu cette dimension-là qui vous caractérise et qui caractérise aussi votre trajectoire jusqu'ici. Oui, je suis très ému par ces témoignages parce que, honnêtement, je ne m'arrête pas souvent pour réfléchir de ce que je fais, mais je ne peux pas m'imaginer d'un côté de me lancer seulement au laboratoire, même si j'adore c'est la microbiologie, la recherche fondamentale, mais il faut que ça serve aux gens. Et je n'ai jamais pu m'habituer aux injustices, aux inégalités dans la société. Et je vois que mon travail, j'espère que ça a contribué à au moins sauver quelques vies et aussi à former beaucoup de gens. Alors, on parle de science et de recherche et on a justement une doctorante, Maria Rodriguez. Peut-être avez-vous une question pour Peter Piot? Bonjour, professeur Piot. Votre vie, votre parcours de vie est une inspiration pour énormément de jeunes qui souhaitent suivre une carrière en santé globale, qui souhaitent améliorer des milliers, même des millions de vies. Quels sont vos conseils pour cette jeunesse, pleine d'espoir, mais aussi pleine d'incertitudes? Disons que il faut, en fait, d'un côté, faire pour qu'on soit excellent dans son domaine. Ça pourrait dire faire un doctorat comme vous faites ou une spécialisation. Ça ne doit pas forcément être la médecine. Hein. En santé globale, on a besoin de beaucoup de disciplines. C'est ça ce que je trouve fascinant aussi. Chez nous, à la London School of Hygiene Tropical Medicine, on a aussi bien des mathématiciens, des sociologues, des anthropologues comme Michel Carrel, des épidémiologistes comme Maï Lagarde, des microbiologistes comme d'autres comme moi, et des économistes.
Et ça, c'est une chose. Donc, être très bon dans son domaine. Mais d'un autre côté aussi, avoir, faire ce lien entre la science et les besoins des gens. Il faut bien écouter, ça c'est sûr. Mais aussi être prêt à prendre des risques et ne pas planifier sa vie. Moi, ce que je trouve parfois, c'est que des gens viennent me demander pour ce qu'on appelle « career counseling » ici, pour leur carrière, et ils pensent déjà à la retraite et une carrière. Si moi j'avais fait ça, je ne serais jamais fait ce que j'ai fait. Donc, il faut être ouvert aux opportunités, parce qu'il est difficile de les planifier. Je crois aussi qu'un certain manque de respect pour l'autorité m'a sauvé souvent, et aussi la vie, mais il faut avoir du respect pour ce que sont les gens. Et puis aussi, faire partie d'une communauté, parce que tout seul, on ne peut pas faire beaucoup. Mais il n'y a pas de recette magique. Mais surtout, être ouvert au monde, être ouvert, pas seulement d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue discipline, et aussi à un certain degré d'humilité, parce qu'on ne sait pas tout, et il faut se remettre en question permanente, de façon permanente. Parce que le monde change énormément tout le temps, et ce n'est que si on reste vraiment sur nos qui-vive, et si on est prêt à changer d'avis, à apprendre jusqu'à, oui, au dernier moment, je crois que c'est là qu'on peut faire la différence, et vraiment faire quelque chose contre tous ces défis. Bonjour, professeur Peter Piot. Merci déjà, et c'est un grand honneur pour moi d'être votre parrain aujourd'hui. Vous savez qu'on dit chez nous, parrain un jour, parrain toute la vie. Donc, j'espère que je serai un parrain à la hauteur. À l'heure actuelle, on vit une pandémie sans précédent. On a l'espoir qu'on voit le tunnel avec la vaccination. Et vous voyez déjà ce que je veux dire, c'est qu'on voit très bien qu'il se crée un monde où des pays développés qui ont accès à la vaccination. Et la grosse crainte, c'est de voir les pays pauvres, fragiles, ne pas accéder à cette vaccination. Vous qui connaissez bien les arcanes au niveau européen, qu'est-ce que les pays riches peuvent faire pour ne pas laisser ces pays pauvres en marge de ce chemin qui est l'espoir de la vaccination pour arriver à vaincre cette pandémie? Merci, professeur Yombi. Et c'est parrain à vie, je peux confirmer ça. Et j'espère qu'on se verra en 3D très bientôt, dès que le COVID l'admet. En fait, c'est un peu un déjà-vu par lequel on passe maintenant, parce que dans les années 90 et début de ce siècle, il y avait une autre inégalité qui était en fait une question de vie et de mort. Et ça, c'était l'accès au traitement antirétroviral, donc le traitement contre le VIH-Sida, et qui était annoncé en 96 à une conférence à Vancouver. Et le sida n'était plus une peine de mort parce que si on donnait 3 médicaments, on pouvait vivre avec le VIH. Mais, pas un détail, le coût était exorbitant pour les pays en développement, surtout pour l'Afrique où la toute grande majorité des personnes vivant avec le VIH se trouvait. Et donc c'est là que j'ai travaillé pendant pratiquement 10 ans pour faire baisser le prix de ces médicaments, pour améliorer l'accès. Et aujourd'hui, on doit faire la même chose pour le vaccin contre le COVID, mais on n'a pas le luxe d'attendre 10 ans. Et je crois que là, il faut d'abord dire quand même que la science a fait quelque chose d'extraordinaire. En 8 mois, 10 mois, on a trouvé des vaccins. On a maintenant des vaccins qui sont disponibles en Europe, aux États-Unis, en Israël, au Moyen-Orient, mais et en Chine, mais pas encore en Afrique surtout. Et là, j'ai travaillé sur deux fronts. D'un côté, avec
Commission européenne, avec Mme Ursula von der Leyen, on a mis sur pied ce qu'on appelle COVAX. C'est en fait une coalition avec Gavi, qui s'occupe des vaccins, CEPI, c'est Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, et après l'OMS a rejoint, pour acheter et distribuer et financer des vaccins pour les pays les moins avancés. Donc en fait, c'est un club d'acheteurs. Ils vont donner ou délivrer les premiers vaccins ce mois-ci. Ils ont un engagement pour à peu près 2 milliards de vaccins. Et d'un autre côté, travailler avec l'Union africaine pour avoir accès directement aux producteurs de vaccins. Et en fait, cette semaine-ci, les premiers millions de vaccins sont arrivés en Afrique du Sud, qui est bien sûr le pays le plus riche en Afrique subsaharienne. Mais on n'est pas encore où il faut aller, où il faut être. Et donc, c'est vraiment pour moi un des tout grands défis et des problèmes géopolitiques de notre époque. Et je crois que là aussi, même avec la pénurie de vaccins et le manque de produits de vaccins en Europe, c'est vrai, il faut partager ces vaccins avec les pays les moins avancés, les plus pauvres, parce que ce n'est pas seulement une question de morale, mais aussi une question de nous protéger nous-mêmes ici en Europe. Parce que le Covid ne sera terminé que s'il sera terminé et sous contrôle dans chaque pays au monde. Aussi longtemps qu'il y a des épidémies ailleurs, on devra surveiller nos frontières, il y aura tous ces problèmes. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde ici. Merci pour la réponse. Et on entend dans ce que vous en dites combien cette situation sanitaire est une interconnexion entre tous, y compris dans un processus de vaccination. On va avoir maintenant un tout petit moment musical qu'on vous a préparé, une petite surprise. Alors on espère que ce sera bien une surprise. Nous pensons que ça fait partie de votre playlist et ça va être interprété par des étudiants qui font partie de ce qu'on appelle à l'UC Louvain, nous en sommes très fiers, des COTA Projets, qui sont des collectifs étudiants qui travaillent ensemble sur une thématique particulière. Ici, on va pouvoir les entendre pour cet intermède musical. When the border crossed the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I have lost my wife and children. But I have many friends, and some of them are with me. All the wind is blowing through the graves. The wind is blowing. Freedom soon will come. And we
On était avec Leonard Cohen, interprété par le Capodastre. On va se retrouver tout à l'heure, professeur Piotr. J'aurai l'occasion de vous remettre en compagnie de vos trois autres docteurs honoris causa, l'épitoge. Mais peut-être qu'avant cela, vous pourriez conclure. Wow, oui, c'était... Leonard Cohen, c'est vraiment c'est un poète. Puis c'est très québécois, quoi. C'est en anglais et en français. Ça fait penser aussi à la Belgique. Ce que j'aime beaucoup là, c'est la poésie très profonde, mais aussi la relation avec la vie. Non, merci. Et puis aussi, ça c'est pas dans mon CV, mais moi aussi j'ai chanté dans un band, mais c'était plutôt les Beatles et Bob Dylan et tout ça. Hein. Je dois dire que c'est pas ma première fois que je reçois un doctorat honoris causa, mais c'est différent. Et je suis très ému, en fait, par comment vous approchez cet honneur. Et donc, ça me donne beaucoup envie pour venir vous voir. Je crois que vos valeurs, on les partage. Et que le grand message pour moi, c'est de travailler dur, comme disait Marie Laga. L'université, c'est pas seulement les savoirs, mais aussi de ne jamais s'habituer et d'accepter ce qui pourrait être mieux. Et pas seulement les inégalités, les injustices en abstrait, mais aussi la disparité juste autour de nous. Donc, un tout grand merci. Je suis très ému. On se réjouit en tout cas de vous retrouver prochainement et comme vous l'avez dit, en Belgique, un retour en Belgique après de nombreuses années. Vous ferez désormais avec la cérémonie qui arrive dans un instant partie de la grande communauté de l'UIC Louvain, entourée aussi par ses docteurs honoris causa des années précédentes et désormais vous êtes ici, chez vous, vous faites partie de la communauté UIC Louvain. On se retrouve tout de suite pour la cérémonie de l'épitoge. Imaginez un monde où le savoir serait accessible à toutes et tous. Un monde où les découvertes scientifiques, comme le gel hydroalcoolique, ne seraient ni sujettes à la privatisation, ni à la marchandisation. Dans la même logique, nous connaîtrions des services de santé publics financés à la hauteur de nos attentes. Imaginez un monde où les relations humaines ne seraient pas dirigées par le patriarcat. Un monde où l'éducation sexuelle prend place et sort des carcans hétéronormatifs. Un monde où le mot « vulve » ne choquerait pas, les féminicides n'existeraient pas et nos campus universitaires ne connaîtraient pas d'agressions sexuelles. Imaginez un monde où tous les acteurs et actrices de la scène internationale lutteraient contre le réchauffement climatique. Les plus gros pollueurs seraient tenus responsables de leur action et nous serions témoins d'une transformation des moyens de production dans une logique de solidarité Nord-Sud. Un monde écologique. Imaginez, et nous en rêvons toutes et tous, d'un monde sans pandémie. Nous pourrions alors décider de nous concentrer sur une planification long terme. Nous nous donnerions les moyens de lutter contre la propagation des virus. Nous serions alors capables de protéger les plus fragiles. L'imagination prend le pouvoir. Didier Pittet, Liv Tromkist, Laurence Toubiana, Peter Piot, au nom des étudiantes et des étudiants de l'UC Louvain, merci. Merci de contribuer à cet espoir, à cet horizon d'une société plus juste. L'Université catholique de Louvain remet aujourd'hui les insignes de docteur honoris causa à quatre personnalités hors du commun qui exercent des fonctions aussi différentes que diplomate et économiste, auteur et dessinatrice, médecin ou professeur. Dans leur domaine, ils et elles se sont remarquablement distingués. Attendu que Laurence Toubiana a milité pour faire advenir la transition écologique dans un esprit de justice sociale et de transformation en profondeur de notre société, et qu'elle a soutenu des expériences de démocratie participative et d'intelligence collective. Attendu que Peter Piot a mis en place des programmes de recherche pour un accès universel aux soins et a contribué à sauver des centaines de milliers de vies. Attendu que Didier Pittet a réussi à engager les établissements de soins du monde entier en faveur de la sécurité des patientes et des patients et qu'il contribue à la gestion de la crise sanitaire actuelle. Whereas Liv Strömquist
is the author of a pioneering work of art through which she expresses her commitment to the emancipation of women and to fighting the concentration of wealth, climate change, and attacks on democracy. Attendu que ces femmes et ces hommes relèvent les défis centraux, des défis centraux pour l'avenir de l'humanité avec engagement et compétence. Pour leurs actions, pour leurs expertises et pour leur humanité, nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons Laurence Dubiana, Liv Strömquist, Didier Pittet et Peter Piot, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Alors, je vais remettre les pitoges. Comme ceci. On peut les applaudir. Peter, congratulations. This is just one of the many Dr. Honoris Causa that you have. Well, Peter, mijn absolute felicitaties. Je hebt al heel veel prijzen gekregen, maar ik denk dat het altijd heel veel plezier doet als je een Belgische prijs krijgt vanuit een Belgische universiteit. En die is heel dik en wel verdiend. Vous faites l'honneur à toute une communauté universitaire d'accepter cet hommage et je vous félicite. I wish you all the best for the future. The world needs you. The world needs you more than ever. Bravo pour ce prix et vraiment un immense merci pour ces partages à travers tes albums. Qui nous permettent de changer notre vie et de voir le monde autrement. Voilà. Donc je lui dirais juste merci. Merci de nous offrir des livres qui nous réveillent, qui nous ouvrent les yeux, qui nous donnent envie de parler, de nous battre. Bravo Laurence. J'ai mis mes baskets aujourd'hui en ton honneur. Parce que tous ceux qui préparaient la COP21 se souviennent de ta collection de baskets. Parce que tu étais consciente de l'urgence climatique, celle qui est résumée par ma cravate. Continue vraiment à nous inspirer et à te battre avec ce sens politique inouï dont on a absolument besoin si on veut réaliser les transformations radicales qu'on a devant nous sans perdre personne en route. Merci beaucoup d'avoir créé ce tournant historique. Et grâce à vous, nous jeunes, on peut se battre sur cette base et on va continuer à se battre et on espère avec vous. Mais Laurence, maintenant vous êtes docteur, avec un E, je pense. Et donc, honoris causa, oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et c'est mérité. Didier, j'espère qu'on va continuer à vivre de nouvelles aventures, à écrire de nouveaux textes, que tu t'arrêtes jamais, parce que y a le travail qui est à faire, il est tellement grand que nos vies n'y suffiront pas, donc il faut qu'on continue tant qu'on peut. Didier, j'ai envie de te dire, ne change rien et en même temps pense à prendre du temps pour toi. Tu as toujours parcouru le monde et j'espère que tu continueras à le parcourir pour défendre cette cause. Cher Didier, tu étais mon général, maintenant tu es mon docteur honoris causa, bravo. Est-ce qu'il y aura un jour où tout ce que font aujourd'hui les docteurs honoris causa de l'Université de Louvain sera normal? Un jour où l'égalité homme-femme sera évidente, où la protection de l'environnement n'aura même plus besoin d'être prônée parce qu'elle sera inscrite dans les mœurs, où la santé sera un bien commun pour l'humanité. Merci à Peter, Liv, Didier, Laurence, et merci à l'Université de Louvain de replacer au centre de l'attention des valeurs humaines aussi fondamentales, parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui comme demain. Voilà, je crois qu'on arrive à la conclusion. Rejoignez la communauté Louvain, entourée par des docteurs honoris causa qui vous ont précédé. Et peut-être pouvez-vous prendre quelques mots de conclusion sur ce que cette cérémonie vous a inspiré. D'abord, merci encore une fois pour toute cette émotion que je vis avec vous aujourd'hui. Et puis, réaction, bien évidemment. Tout ce qui fait partie du bien commun, c'est quelque chose qui nous porte, c'est quelque chose qui porte la société. Et on parle du climat, et on parle en passant de la solution hydroalcoolique, et on parle de ceci, on parle du respect humain, et on parle de travailler tous ensemble. On me dit aussi d'assurer
finalement que les choses continuent après moi. Et au fond, quel est l'objectif premier d'une université, d'une vie universitaire et d'une vie académique? C'est évidemment de, comme on le dit, faire des bébés, faire des gens qui font ce que vous faites, qui aiment ce que vous faites et qui continuent et qui poussent plus loin ce que vous avez fait ou ce pourquoi vous avez contribué. Et je pense que cette reconnaissance, c'est ainsi que je la reçois, en remerciant évidemment et puis en souhaitant que d'autres nous suivent, que d'autres nous accompagnent et que d'autres ensuite parachèvent et fassent encore mieux que ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Merci pour ces grands moments. Thank you. Thank you so much. I'm very moved by this beautiful ceremony and all the kind words and hearing from the students and so on. So I just want to say from the bottom of my heart, thank you. Encore une fois, je suis très touché par ce témoignage, par ému et aussi touché par ce grand honneur. Comme dit mon ami Michel Carrel, il n'y a pas de fatalité aux injustices, à la pauvreté, aux discriminations. Et comme l'ont dit les étudiants, surtout n'arrêtons jamais de rêver. De rêver pour un monde meilleur où tout le monde peut s'épanouir comme il veut. Et donc, comme le dit le titre de ma mémoire, dit, c'est « No time to lose », ce qui a été traduit en français « Une course contre la montre ». Mais c'est vraiment ça qu'on a pour le moment, parce qu'on ne peut pas perdre du temps pour relever ce défi. Merci beaucoup à tous, à vous d'abord, monsieur le recteur, aux étudiants, à mes parrains et marraines. Je veux dire que bien sûr je suis émue, je suis heureuse de faire partie maintenant de votre communauté parce qu'au fond je pense que le métier de professeur, le métier de chercheur, c'est le plus beau métier du monde. Et je suis très inspirée par tous ces témoignages que vous avez mobilisés qui m'engagent à continuer à me battre, qui m'engagent à continuer à penser pour que cet imaginaire que nous ont présenté vos étudiants se réalise ou en tout cas qu'on aille dans cette direction. Et c'est tellement important d'avoir une direction où aller. Donc je me sens, par cet honneur que vous me faites, engagée à continuer et si possible à faire plus que ce que je n'ai fait jusqu'ici. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette cérémonie à distance, une cérémonie très particulière, une cérémonie pour laquelle je remercie très largement tous ceux qui ont contribué à son organisation. Ils sont derrière la caméra, vous ne les avez pas vus. Ils ont aussi, eux, à leur manière, relevé les défis. Des défis qui vont nous amener du souffle pour les années à venir. Vous avez entendu nos quatre docteurs honoris causa qui amènent une dimension pour la future. Luce et Louvain vous invitent à relever les défis aujourd'hui, demain, dans les années à venir. On se retrouve très bientôt.